Bienvenue dans la nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo le plus. Ce sera la vidéo la plus basse de l'Europe. De l'Europe. Continentale. Continentale. Voilà. Parce qu'il y a, la Crète, je crois. Ouais, c'est la Crète après l'île la plus basse. Donc voilà, la vidéo le plus bas de, d'Europe. Voilà, on est à Tarifa. Tarifa. Moi, un peu déçu parce que il y a en fait tout en bas de Tarifa, il y a une, presqu'île. Et on pensait vraiment être au plus bas de, c'est-à-dire avec la mer, quoi. Vue sur Maroc et tout ça. Voilà. Donc le Maroc, on le voit, mais que derrière. Bah, en fait, la presqu'île est fermée. Il y a une barrière. Ah oui, 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 oui. Normalement, sur Google, tout ça, il nous disait que c'était qu'il fallait le visiter, que c'était visitable, ouvert 24/24. Donc on est arrivé super confiant, enfin, en se posant même pas la question de savoir si c'était ouvert. Et en fait, là, il y a une barrière, c'est fermé. Déjà pour se garer, c'était Et la compliqué. Guardia qui sortait de là et tout ça, donc bon, raté. Ils nous ont dit c'est fermé. C'est fermé. Pour qui, pourquoi ? On sait pas, on pourra pas vous dire. Il n'y a aucun panneau, il n'y a rien du tout, donc bon. Mais on a quand même. La Méditerranée ? Ouais. L'océan Atlantique. Voilà. On est vraiment entre les deux là. Alors c'est marrant, c'est qu'ici, il n'y a pas de vagues. Et de l'autre côté, il y a des belles vagues. Ouais, mais là on est dans l'enfoncement aussi. Donc, ouais. Donc voilà, c'est pareil, bon, ça s'empêche pas que c'est mignon quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. On va avoir des belles petites photos à vous mettre encore. Ouais. Mais bah oui, on est un peu déçus parce qu'on pensait vraiment pouvoir aller à la pointe. C'était un peu symbolique le truc, quoi. Ouais. Et puis bah voilà, donc bon, bah c'est fermé. La guardia est passée en plus en sortant du lieu, ouais. La barrière se referme automatiquement. Bon. Voilà, mais après. Bon. Ouais, c'était un ancien. Mika disait que c'était un ancien fort. Je pense que pour tout ce qui est invasion. Invasion africaine ou je sais pas quoi, arabe, oui, ouais. Si, ouais, c'est ça, ouais. De l'Espagne, ouais, c'est pas. Ouais. Donc, ouais, il y a pas mal de bunkers, il y a un petit château là dans Tarifa, je sais pas si on va montrer, on va continuer notre balade. Ouais. Une petite statue là qu'on voit là, au bout du port. Et sinon, on aperçoit un petit château, je sais pas trop, ouais, voilà, il est là. C'est pas facile, hein. Donc, on va continuer notre balade. On vous met tout ça. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu m'étonnes que tu vois pas. T'as pas vu que t'avais les caches sur les. Non, mais j'allais les remettre, là j'ai pris de la photo. Qu'est-ce que tu fais ? T'es en train d'espionner les Marocains ? Non, je prenais la statue en photo avec les jumelles. D'accord. C'est bien les jumelles alors ? Ouais. Ouais ? Qu'est-ce que tu vois alors sur le Maroc ? Je vois qu'ils font des exploitations de pétrole. Ah, bah ça c'est un port, c'est certainement une raffinerie, oui. Je vois des éoliennes et je vois des écritures arabes. C'est vrai ? T'arrives à voir ça? Bah oui. Ah bah vas-y. T'arrives à prendre les photos de ça? J'ai pas encore essayé. L'entrée du château, qui est aussi un truc plein air, est aussi fermée. Donc je crois que à Tarifa, tout est fermé à cause du Covid. Hein. Bon, après, voilà. Ça n'empêche pas qu'on se balade dans les rues, c'est quand même sympa, mais c'est un peu dommage parce que c'est des trucs en plein air. Alors les restaurants, tout ça, sont ouverts et les trucs en plein air sont fermés. Bon, on va pas chercher à comprendre la logique du truc, mais. Donc pas de château, pas d'île. Suivant, quoi. Bon, comme on est un peu blasé du truc. Hein, Jess, on est blasé du truc. J'en peux plus. C'est la merde. Bah, du coup, on va aller manger des tapas. Vu qu'il n'y a que ça d'ouvert, on va faire avec ça. Hein. On va aller manger des tapas. Bon, bah, du coup, on l'avait dit, hein. Ce midi, c'est tapas party. Sur la plage, avec vue sur le Maroc, hein. À défaut de pouvoir aller plus loin sur l'île, au moins, on va se faire un petit resto sympa. En plus, l'intérieur, ça a l'air d'être trop mignon. Je me mets là,
de se faire comprendre pour se faire servir parce que bah en fait il y a plein de trucs, il y a des tailles différentes en mode tapas, en mode médium. Et en fait bon bah on n'avait pas tout bien compris. Et là il n'y a pas tout quoi. Donc là on a fait un peu nos cochons et en fait on se voilà. À mon avis, on va bien manger ce midi. Je pense que ça va même comprendre le repas du soir. Avec tout ce qui. Non, on n'a pas la raclette ce soir, c'est pas possible. En fait, à chaque fois qu'on mange un BQ, soit on se barre en Norvège, ou soit on mange des trucs, voilà. Et là, ils ont eu l'idée de la raclette. Vous avez pas dit non. C'est des fous. Non, c'est vrai, on n'a pas dit non. Et bon, bah voilà, donc je pense qu'on va bien manger, c'est cool parce que au moins c'est typique tapas et tout ça. Donc c'est bien sympa aussi, un petit resto, enfin un vrai resto espagnol. Ouais, c'est le premier. C'est notre premier resto là depuis qu'on est. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc le premier vrai resto, donc bon, on en profite, on se fait plaisir. Ouais, la dernière fois, c'est vrai qu'on avait voulu boire un coup et manger des tapas. Et en fait, avec du Covid, ils étaient fermés à 18h et ils fermaient les cuisines à 16h30. Donc en fait, on n'avait pas pu se faire servir, on avait juste bu un coup. Donc là, on s'est pas fait avoir, on est le midi, on a fait une bonne balade, une bonne marche ce matin. Donc voilà. Et comme j'avais dit, tout était fermé, on ne pouvait pas visiter, ben on a fini à ce qui était ouvert, c'est-à-dire les restos. On n'a pas le choix. On a eu l'explication en fait dans une petite boutique, le monsieur parlait un petit peu français. Et nous a expliqué que si on pouvait pas aller sur l'île, c'était pas du tout à cause du Covid. En fait, c'est que c'est devenu une zone militaire de surveillance. Et que pour cette année, en fait, les militaires et tout ce qui est police se servent de ce point d'accès pour voir, en fait, pour éviter tout ce qui est arrivage de clandestins. Donc du coup, c'est pas en lien avec le Covid. Il nous a dit, bah normalement, l'année prochaine, ça redevient public. Mais bon, bah... On sera parti. Bon, on a fini notre petite visite de Tarifa. Et là, on vient de se rendre compte qu'on ne pouvait pas être plus bas. Donc ça veut dire qu'on remonte. On remonte forcément. Donc on est en train de remonter. On s'est donné un mois pour remonter en France à peu près, en passant par le Portugal. Mais là, on remonte quoi. On va se dire, en fait, on fait un mois pour remonter au Portugal. On va faire le Portugal en un mois. Oui, on va faire le Portugal et tout ça. Non, si ça peut consoler un peu. Oui, voilà, mais bon, on s'est prévu un mois pour remonter parce que de toute façon, on a des choses qui sont en train de s'accumuler à gérer en France. On a aussi reçu le courrier de l'inspection académique pour faire le contrôle de Capucine le 19 janvier. Bon, il a été envoyé le 30 décembre, je crois. Je ne sais plus. Et puis, le temps d'aller chercher le courrier, donc voilà. Là on est le 11, donc en 8 jours remonter c'était pas possible. Donc j'ai appelé l'inspection académique. La dame n'était pas très aimable encore, soit j'ai pas de bol, ou soit c'est la même. En me disant que je lui ai dit que voilà, nous on n'était pas disponible, qu'on était vraiment au plus bas de l'Espagne et qu'on ne pouvait pas remonter. Donc je lui ai dit qu'on avait des disponibilités mars-avril, qu'on était disponible le mois de mars et avril pour reporter le rendez-vous. Elle m'a dit ah, non, ça marche pas comme ça. Donc elle a pris les coordonnées, elle a pris en note ce que je lui ai. Oula, les petites bosses. Pris en note ce que je lui ai demandé et apparemment on va recevoir un autre rendez-vous. Donc sachant que comme les deux enfants ne sont pas au même niveau, ce sera une autre inspection pour Arthur. En deux fois, ça va être sympa. Ça va être en deux fois. Bon après voilà, c'est comme ça. Mais sur le coup, voilà. Donc elle m'a dit, c'est bon, c'est noté. D'accord, et donc, du coup ça se passe comment? Je vais recevoir un autre courrier, elle me dit oui. Bon, donc on espère qu'elle va bien prendre note de ce que je lui ai demandé. Voilà. On vous tiendra au courant. On aura déjà bien profité, mais là le fait de remonter psychologiquement c'est un peu plus difficile. Bon, on a déjà quand même pas mal de chance. Hein. Déjà, c'est on va pas se plaindre hein, quand même, on va pas vous faire ça. Regardez, en plus on prend la route. Un coucher de soleil. Ah, on voit pas. Avec le coucher de soleil. Bon, Arthur le surfeur. Enfin le plongeur. Ça y est, il a mis sa nouvelle combi. Non franchement, on en a bavé pour le mettre. C'est la première fois qu'on lui met une combi et ça lui a donné une suée. Et nous aussi. Et bon en fait faut la dérouler comme un collant. Et on est rassuré, c'est qu'elle est quand même à sa taille, donc parce qu'on l'avait pas encore essayé. Et puis là, on est un petit peu loin du Decathlon où on l'a acheté, donc bon. Donc là, il va profiter de sa nouvelle combi.
Donc là, on voit, ici, on a les côtes marocaines, là, tout au loin, comme ça. On est toujours, on est à côté de Tarifa. Alors, la combi ? Nickel. Nickel ? Bah, en fait, au début, il y a Paco qui m'a mouillé, il m'a arrosé, j'ai rien senti du tout. Et quand on commence à se mettre dans l'eau et tout, la combi, elle a des petits trous là-haut. Elle rentre dedans, mais après, elle chauffe. Là, ça va, t'as pas froid ? Non, j'ai pas froid. On dirait un petit surfeur, hein. Ouais, bon, allez. Nous voilà dans las dunas de Val de Vaqueros. Moi, je viens de regarder. Ah, je viens de regarder sur Maps parce que franchement, j'arrivais pas. Ouais, par contre, il faudra pas le retenir. Donc, c'est un petit peu plus loin que Tarifa, où il y a des grandes dunes, en fait, des grandes étendues de sable. Et c'est vrai que si on enlève le côté vert, on se croirait presque dans un désert. Bon, bien sûr, on vous montre tout ça tout de suite en vidéo.